Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une mini revue sur deux quads de chez L'Oréal. Donc en fait c'est ma maman qui me les a offerts pour Noël. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc elle me connaît très bien, elle sait bien ce que j'aime. Et en fait elle m'en a pris donc deux, un dans les tons roses et un dans les tons marron. Donc tout d'abord il y a celui-ci, c'est le Smoky Eau de Rose E6. Donc j'aime bien la présentation, donc ça permet de ne pas devoir ouvrir le quad pour voir ce qu'il y a comme couleur à l'intérieur, ce qui est pas mal. Il y a un petit pinceau à double embout, donc il y a un embout biseauté, donc ici, et un embout en rond. Et donc voici comment se présentent les couleurs. Alors je vais essayer de me rapprocher pour faire les swatches. Donc tout d'abord ici, il y a une couleur, donc là, c'est vraiment un rose très pâle et très irisé. Donc dès qu'on le met en coin interne, il ouvre vraiment super bien le regard et ça fait... ça donne pas un air fatigué, ça donne vraiment une ouverture. Enfin, je le dis déjà, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment une couleur trop belle. Moi j'adore, ça me fait penser à la couleur que j'ai utilisée dans ma Naked 2. Donc je sais pas du nom. Enfin, c'est une couleur que j'ai utilisée toute l'année passée, mais je ne me souviens pas. Bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette couleur. Alors ensuite, il y a un rose qui tire un peu vers le pêche. Donc, voilà, il est aussi irisé. Ici, donc il y a un rose qui est plus irisé que les deux autres. Et alors une couleur que j'ai vraiment un coup de cœur, c'est celle-ci. C'est un peu... elle est super spéciale, c'est un genre de prune avec des reflets bruns. Donc je vais vous remontrer. Celle-ci c'est la 1, la 2. Je pense que la 2 en été elle doit être très belle parce que si elle a des tons pêche, bah la 3 et la 4. Donc... derrière le petit quad, il vous explique un peu quelle couleur mettre où dans l'œil, enfin sur l'œil, dans l'œil c'est pas très pratique. Et donc voilà, je crois que j'ai fait un maquillage avec, enfin j'ai fait un maquillage avec, mais je sais pas si j'ai fait des photos ou pas. Mais en tout cas, le prune qui est en creux, ça fait un de ses regards, c'était trop trop beau. Alors je vais juste essuyer les doigts en direct comme d'habitude. Voilà, vous savez bien que moi le montage c'est pas trop ça, donc c'est vie ma vie en direct. Et alors le deuxième quad que j'ai reçu, donc je sais pas les prix bien sûr vu que c'est des cadeaux, mais je crois que je vais aller tantôt pour regarder un peu quand même pour agrandir ma collection. Je pense que je vais commencer une collection de ces couleurs parce qu'elles sont sublimes. Et donc le deuxième quad donc, que je disais, c'est celui-ci, c'est le marron glacé, le E4. Alors, donc tout d'abord, il y a toujours une couleur très irisée, comme ceci. Donc c'est un genre de beige. Donc, qui est-elle là? Alors, en dessous, il y a cette couleur-là. Alors, elle est... elle est, comment dire, elle est vachement irisée et elle apporte de la lumière au regard. C'est un truc de malade. Franchement, c'est vraiment une très belle couleur. Ensuite, il y a cette couleur-ci, un genre de marron chocolat. Et l'autre, en fait, là, c'est genre taupe gris qui tire un peu vers les bruns et elle est magnifique. Et alors, la dernière couleur qui est un peu moins irisée, donc c'est un marron foncé. Qui me fait penser à la couleur d'un arbre, c'est totalement débile, mais voilà, c'est une super belle couleur, je trouve. Donc voilà les quatre couleurs. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et donc voilà, donc c'est deux petits quads que je voulais vous présenter pour pas laisser ma chaîne vide encore une fois. Et parce que je suis contente d'avoir eu deux nouveaux quads pour pouvoir faire des maquillages et tout ça. Parce que j'ai fait tomber ma Naked 2 en plus, hein. Bravo, hein, j'ai envie de dire.
Donc voilà, donc c'est les deux petits quads que je voulais vous montrer de la collection L'Oréal. C'est deux coups de cœur pour moi, donc ça va faire une semaine que je les ai, je me suis maquillée tous les jours avec et je vous poste des maquillages que j'ai fait avec en fin de vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je suis super contente encore une fois de refilmer, j'espère que vous allez bien et tout ça. Et je vous dis à très bientôt.